Salam alaikum guys, la rentrée de Music and More, faut pas la rater. La rentrée de Music and More ce soir, ça se passe avec Boupa Kirikou. Vous vous souvenez, Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. C'est ça, ça donne. Donc Boupa Kirikou en concert au Goethe Institut ce soir, ça se passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, mesdames et messieurs, on sent qu'il y a une petite chaleur qui commence à grimper un peu. Ça a commencé avec la balance, vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux du Goethe Institut. Et là, le concert a réellement démarré. Maintenant, on va à l'intérieur. On va essayer de voir comment ça se passe, l'ambiance dedans. Mais je sens que la chaleur grimpe, comme j'ai dit tout à l'heure. Et la chaleur va continuer à grimper. Vous suivez ? Salam alaikum. Salam alaikum. Et là, mesdames et messieurs, on est dans les locaux du Goethe Institut, à l'administration. On va faire une petite surprise au directeur du Goethe Institut. On va voir ce qu'il fait dans son bureau. Et on va le prendre en interview. Vous suivez ? Allô ? Donc là, vous voyez le professeur Dr Michael Yaesman en train de travailler. Et mesdames et messieurs, il est 20h45. 20h45, c'est pas tous les directeurs qui font ça. Bonsoir, monsieur Diop. Vous allez bien ? Oui, et bonsoir, monsieur Ousmane. Alors, Ousmane Lo à la caméra. Mesdames et messieurs, on est en compagnie du directeur du Goethe Institut, monsieur Yaesman. Michael, maintenant, parle-nous un peu de Music and More. Quoi dire ? Les gens se régalent. Les musiciens ont l'occasion de se produire, de se faire connaître. Et voilà, et nous, nous avons la possibilité de faire chauffer notre salle. Ce qu'il faut dire, sa musique est tout à fait originale. J'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Et c'est une découverte. Là, j'ai dit le fameux mot divinity. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Ah, j'ai réussi. Est-ce que vous avez ce qu'il fait? Tout le monde entend. Mesdames et messieurs, toujours dans le Music and More, on reçoit des invités de marque et aujourd'hui on reçoit une star de Cultura Dakar. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors je m'appelle Sandra, je travaille dans la structure culturelle similaire à celle-là mais de l'Espagne et je trouve ce genre de concert merveilleux. C'est un très bon mélange entre musique africaine et en fait la musique plus moderne, donc traditionnelle avec le moderne, avec un rythme très particulier et voilà, et qui s'école et tout le monde est en train de danser à l'intérieur, donc on s'est beaucoup amusé. Je trouve merveilleux ce genre de concept, surtout tout d'abord parce que c'est gratuit, c'est-à-dire que tout le monde peut en profiter de voir des grandes stars sur scène. Salam alaikum, je suis Papa Stu. Je suis venu ici pour le concert de Boupa Kirikou. Mais vraiment, nice quoi, nice na trop. En plus, je suis venu en sécurité pour toi. Je suis venu en sécurité pour toi. Je suis venu en droit de refaire. Nice, calme. Et puis,
ça va quoi, alhamdoulillah dal vraiment milé bi damay ñaan mu gëna yokku dem sa kanam dal parce que vraiment milé bu rafet la dal. Musicalement avec Bouba Kirikou, c'était ce soir, chaud, de l'ambiance. Bouba Kirikou a fait danser des Chinoises, a fait danser des Espagnols, a fait danser des Allemands. Donc, tu me donnes tes impressions par rapport à ce qui vient de se passer là. C'est ta première fois au Goethe Institut, c'était comme si tu étais à la maison, parce que tu as vécu en Allemagne. Fire, you know, c'était nice, c'était très nice. Nice public, tu vois, tranquille. On s'est bien occupé de nous, donc il fallait qu'après qu'on fasse un show vraiment fire, quoi, comme j'ai l'habitude de faire. Moi, je suis content. Je sais pas si les gars, les gens du Goethe sont contents. Moi, perso, je suis content parce que j'ai rencontré de nice personnes. Super, on va parler un peu de toi. Donc, qu'est-ce qui se prépare en ce moment? L'album. You know, Et ça sera pour quand? Bientôt, j'ai presque fini. Donc, d'après ce qu'on vient de voir, d'après ce qu'on vient d'entendre, mesdames et messieurs, aujourd'hui, moi je vous dis, l'album, attendez-le, parce que ça va faire carton, ça c'est clair. Et donc, Bouba, quels sont tes derniers mots pour le musicalement, pour les gens qui te suivent? Tankeshan, be the shan. Est-ce que tu sais dire en allemand? Non, je sais dire Tankeshan, be the shan. Et le mot préféré des gens qui ne parlent pas allemand? Schlibidisch. Tout à fait. Schlibidisch and Eins. Zwei, drei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, acht, neun, zehn. Donc, mesdames et messieurs, Bouba Kirikou, c'était dans le Musique de Mort ce soir. Donc, édition spéciale, on va dire. Bouba Kirikou qu'on a connu dans la bande-annonce de Kirikou, on va dire. Donc, Bouba Kirikou qui a mis le feu aujourd'hui, qui a fait danser tout le monde, hein, toute nationalité confondue. Rendez-vous au mois prochain dans le Musique de Mort. N'oubliez pas, ce sera avec Simon et ce sera du rap. Up the fire. Bless it, guys. Ciao. Thank you.